The majority of Central African refugees in Chad were transported to the border in trucks like these. Hunted down after attacks on their villages and neighborhoods, trapped in mosques, churches, or in transit camps like the one at Bangui Airport, these convoys were probably their only chance of survival. Les gens commencent par les tous les musulmans. Ils ne vivent pas les musulmans. Si tu es musulman, tu es quoi? Il veut te tuer. C'est pour cela qu'on revient ici. Le chrétien peut sortir, mais nous sommes les musulmans, on ne peut pas sortir 1 kilomètre à Bosongo. Mon femme, tous ils sont tués, les anti-barakés sont tués. C'est moi et mon petit sœur. Mon petit sœur, elle a sorti à côté de la Congo là-bas. J'ai la femme, j'ai 4 enfants. Mon mère, mon père, mon grand-père, mon grand-frère, tous ils ont tué ça. Ça fait du temps, 25 jours, nous ne sommes pas dormis à la maison. Ils fuyaient pour dormir en brousse. Ils ont tué les gens. Ils tuent les femmes et les enfants, surtout les musulmans. This man and his 15-ton truck managed to transport nearly 200 people from Bozoum to Mini, a village just across the border in Chad. Même à la sortie de Bokaranga, on a trouvé Bokaranga, il n'y a aucune personne sur la ville. Derrière là, à peu près 4-5 km, on a trouvé 9 enfants comme ça. Ils ont pris les enfants là. Dans la brousse pour mettre dans le véhicule. On est venu avec eux ici, les enfants de Peul. Nous sommes tous là, 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 nous. Although most of the convoys were escorted by former Seleka rebels, international forces, or the Chadian army, they still got attacked. People had to move fast. There was not even time to take food or drink for the journey. De boire jusqu'à Mini, on n'a jamais mangé parce que nous avons quitté boire. Nous avons l'espoir de venir à Bongo pour peut-être déjeuner. Arrivé à Bongo, il n'y a aucune nourriture. Arrivé à Bokaranga encore, il n'y a aucune personne à Bokaranga. Le Bokaranga est déjà détruit. Once they crossed over the border to Chad, several thousand people descended from the trucks in Sido. Some managed to reunite with family, while others clung to the unlikely hope of seeing them turn up in another convoy. There's no thirst for revenge, no rage, just a palpable air of resignation. Some refugees think of going back, and others that there is no going back. Peut-être à l'effort de la communauté internationale, Nations Unies, peut-être si la stabilité est là, je suis prêt même pour aujourd'hui. Je dois rester même ici, même. Je dois changer les nationalités, je dois rester ici à Tchad. Parce que là-bas, mon famille, tout, ils ont mouru. Bon, qu'est-ce que je dois faire là-bas encore? Il faut rester ici. It's been 3 months now since the first convoys arrived in southern Chad. And yet there is still a huge lack of humanitarian aid. The refugees' living conditions are dire and will only get worse with the impending rainy season.